Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouvelle année et nouvelle série. Aujourd'hui, je lance la série Histoire de foot, une série dans laquelle on va revenir sur des histoires méconnues ou tout simplement oubliées du monde du foot. Aujourd'hui, on démarre avec l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, le Special One, le Mou, José Mourinho. Je vais vous raconter le jour où José Mourinho a demandé à ses propres joueurs de prendre un carton rouge. I think I'm a special one. Nous sommes en novembre 2010, José Mourinho est au Real depuis 5 mois, après deux saisons exceptionnelles à l'Inter Milan où il a tout gagné, deux Scudetti, une Coppa d'Italia, une Super Coupe d'Italie, mais surtout la Ligue des Champions après avoir battu le grand FC Barcelone en demi-finale. Au Real par contre, l'ambiance est un petit peu différente, Florentino Pérez est de nouveau le président du Real depuis un an, mais le club traverse une période compliquée avec 5 éliminations successives en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Real veut absolument se relancer et concurrencer de nouveau le Barça. Alors il y a l'arrivée de José Mourinho, mais surtout un mercato éblouissant. Vous connaissez le Real Madrid, des gros stars la saison précédente. Il y avait eu les Galactiques qui n'ont pas forcément fonctionné, mais le mercato précédent, il est incroyable. Il y a eu les signatures de Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso, c'est un été record à presque 260 millions d'euros. C'était il y a plus de 10 ans, on ne se rend pas compte des sommes folles que c'était à l'époque. C'est toujours des sommes folles, mais à l'époque encore plus. Entraîné par Manuel Pellegrini la saison précédente, le Real Madrid a terminé deuxième de Liga avec 96 points. Seulement 3 points derrière le FC Barcelone, donc ils sont vraiment pas loin. Par contre, c'est une saison blanche pour le Real, qui en Ligue des Champions s'est fait éliminer en 8e de finale par l'OL, oui oui, l'Olympique Lyonnais, 1-0, 1 partout. En Coupe du Roi, le Real s'est fait tuilier par l'équipe d'Alcorcon, qui était en 3e division, 4-0. Saison blanche, pas de trophée, il faut absolument se relancer. Mourinho a la pression, comme tous les entraîneurs du Real Madrid. Voici donc un petit peu pour le contexte historique, où se situe le Real à ce moment-là. Je vous ai beaucoup parlé du Barça pour que vous compreniez, c'était la grande rivalité de l'époque pour ceux qui l'ont pas connu. Et donc Mourinho vient pour concurrencer Pep Guardiola et le Barça dans un Real un petit peu en crise. Pour revenir au match, le Real de Mourinho affronte donc l'Ajax Amsterdam dans le cadre de la 5e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Et dans l'éventualité de la suspension de deux de ses joueurs majeurs, le Special One va leur demander de prendre un carton rouge volontairement. Retour sur une des nombreuses frasques de l'entraîneur portugais. Composé de l'Ajax Amsterdam, de l'AJOCR, et oui, l'AJOCR qui est en Ligue des Champions, l'AC Milan, le Real Madrid est premier de son groupe avec 5 longueurs d'avance sur l'AC Milan. Ça se passe plutôt bien. À la veille du dernier match face à l'AJOCR, emmené par son duo portugais Mourinho-Ronaldo, le Real est vraiment confiant quant à ses chances de terminer premier. Mais pour ça, il va falloir aller gagner à l'Ajax ce 5e match de groupe qui se dispute le 23 novembre 2010 dans un Johan Cruyff Arena bien rempli. Au niveau des compos, le Real se présente avec son 4-2-3-1 habituel cette saison-là, assez classique. Carvalho n'est pas dans le groupe. Albiol est préféré à Pepe dans l'axe. Il est associé à Sergio Ramos. Lassana Diarra, et oui, Lassana Diarra joue au Real Madrid. Lassana Diarra à la place de Khedira, qui pourtant cette saison-là était plus souvent titulaire. Pedro Leon, habituellement remplaçant, est titulaire à la place de Di Maria, qui va le remplacer en cours de match à la 65e minute. Est-ce que vous vous rappelez de Pedro Leon, qu'on annonçait vraiment comme un futur grand joueur? En face, l'Ajax, comme d'habitude, équipe hollandaise, 4-3-3, avec des noms qui vont vous être familiers, vous allez voir. On a la charnière classique Alderweireld Vertonghen, qu'on va retrouver à Tottenham, qu'on va retrouver en sélection belge, grosse charnière qu'on avait déjà à l'époque à l'Ajax, mais il y a d'autres noms aussi, Van der Wiel, qu'on a connu au PSG, Luis Suarez, évidemment l'un des meilleurs buteurs de ces 10-15 dernières années, et sur le banc, un certain Christian Eriksen. Rapidement, dans le match, les Merengues dominent leur adversaire et mènent 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Benzema et Arbeola. À la 70e minute, c'est le break, premier but de Ronaldo qui va doubler ensuite 11 minutes plus tard sur penalty. Emballé, c'est pesé. Les Madrilènes mènent 4-0, mais c'est pas fini. Mission accomplie pour Mourinho, le Real Madrid est assuré de terminer premier de son groupe.
Mais il a une petite idée en tête, José Mourinho. Il y a quelque chose là qui le tracasse et vous allez vite savoir pourquoi. Ça concerne deux de ses joueurs cadres. En fait, Xabi Alonso et Sergio Ramos ont tous les deux écopé d'un carton jaune, ce qui font que s'ils écopent d'un nouveau carton jaune lors du dernier match, le sixième match de groupe face à la JOCR, ils vont louper le match aller de huitième de finale. Alors pour éviter ça, José Mourinho va leur demander directement de prendre un deuxième jaune pour avoir un carton rouge et donc ne pas jouer le match face à Auxerre et être disponible et remettre les compteurs à zéro pour les huitièmes de finale et après les phases à élimination directe. La consigne va être donnée au gardien remplaçant Jerzy Dudek qui va lui-même donner la consigne à Casillas qui va ensuite la transmettre à Sergio Ramos. Donc Sergio Ramos qui va écoper d'un second carton jaune. Pour Xabi Alonso, par contre, c'est un peu plus flou, mais en regardant le match, on a l'impression qu'il lui dit quelque chose à la mi-temps, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça qu'il lui dit, parce que Xabi Alonso, il prend son carton jaune à la 84e minute. Donc est-ce qu'il lui avait dit « si tu prends un carton jaune, prends-en un deuxième » ou est-ce qu'il a volontairement pris le premier carton jaune ? Là-dessus, je pense vraiment pas. Je pense que c'est Mourinho qui lui a dit « attention, si tu prends un jaune, prends-en un deuxième, comme ça tu prends un rouge ». Dans tous les cas, la consigne de José Mourinho va être appliquée à la lettre par les deux joueurs, puisqu'ils vont tous les deux gagner du temps de façon assez grossière. On voit la réaction là, de Luis Suarez dans ses œufs, comme d'habitude, hein, Luis Suarez. Les deux vont donc prendre un deuxième carton jaune. Xabi Alonso est expulsé à la 87e et Ramos à la 91e minute. Ces deux expulsions ne trompent personne, que ce soit les joueurs de l'Ajax, les supporters, mais surtout l'UEFA, qui va décider donc d'ouvrir une enquête suite à ce match. Mais vous connaissez Mourinho, il va pas avouer publiquement son coup stratégique, il va même déclarer « On ne doit pas prendre des cartons jaunes aussi facilement, ce sont des expulsions pour des erreurs bêtes, même si le match face à Auxerre n'est pas très important, cela ne me plaît pas. » Une semaine plus tard, le club est condamné à différentes amendes, mais le club décide de faire appel. Finalement, après cet appel, l'UEFA va quand même distribuer différentes amendes au club, aux joueurs et à José Mourinho. José Mourinho va écoper de deux matchs de suspension, dont un avec sursis, accompagné d'une amende de 30 000 euros contre 40 000 initialement. Les deux joueurs qui se sont fait expulser, Xabi Alonso et Sergio Ramos, ont chacun écopé de 20 000 euros d'amende. Les deux joueurs qui ont transmis les consignes, est-ce que vous vous en rappelez, les deux gardiens, Iker Casillas, 10 000 euros et Jerzy Dudek, 5 000 euros. Enfin, le Real, le club, évidemment, va écoper aussi d'une amende de 100 000 euros contre 120 000 euros initialement. Au total, ce coup stratégique de José Mourinho aura coûté 185 000 euros au club espagnol contre 215 000 euros initialement. Ils ont bien fait de faire appel, ils ont gagné 30 000 euros. A noter que c'est pas la première fois que ce genre de coup stratégique est tenté, puisqu'en 2008, Chris et Juninho s'étaient fait exclure aussi volontairement avec l'Olympique Lyonnais. Mais dans ce cas-là, l'UEFA avait été plus clément avec deux amendes de 15 000 et 10 000 euros. Pour ce qui est du reste de la saison, 6 jours après ce match, les Madrilènes vont encaisser la fameuse manita face au FC Barcelone. Comme l'année précédente, le Real Madrid va terminer deuxième de Liga, mais cette fois-ci 4 points derrière le FC Barcelone. En Ligue des Champions, par contre, Mourinho va réussir à emmener le Real jusqu'en demi-finale. Ils vont prendre leur revanche sur l'Olympique Lyonnais en 8e, mais s'incliner face au grand FC Barcelone en demi-finale, 2-0 et 1 partout. Et c'est le Barça qui remportera cette année-là la Ligue des Champions face à Manchester United. Malgré tout, le Real ne fera pas une nouvelle saison blanche puisqu'ils vont remporter la Copa del Rey face au FC Barcelone. Ils vont remporter un Clasico grâce à Cristiano Ronaldo avec un but dans les prolongations. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, le plus important, j'espère que vous avez appris des choses ou que ça vous a rappelé tout simplement des souvenirs, un petit peu de nostalgie de cette époque, Mourinho Real, le grand Barça de Guardiola, mais aussi l'Olympique Lyonnais, hein, le grand Olympique Lyonnais, c'était sur la fin. Comme d'habitude, si vous en avez envie, un petit commentaire pour me donner votre avis, un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !